Bonjour, bonsoir, comment nous sommes? José, nous venons parler de technologie. Depuis nous sommes zéro, nous sommes technologie. Eh bien, José, nous venons parler de l'impression sur enveloppe. Généralement, nous avons une institution qui a envoyé un document ou bien un beau format ou bien un document confidentiel sur enveloppe. Eh bien, nous connaissons que vous prenez une enveloppe blanche et que vous déposez sous vos enveloppes jaunes. Eh bien, si nous avons dit, ça n'est pas professionnel. Et n'est pas paraître formel tout, parce que vous présentez des documents n'importe qui. Eh bien, je dis, nous venons nous dire qui sont capables de faire impression sur enveloppe. Nous avons une enveloppe ça dit que c'est 9x12, enveloppe jaune. Eh bien, il y a un problème qui peut poser la donne. Si nous regardons bien, nous avons vu que l'icon lock la donne, il y a un fer, côté que, qui peut déranger l'imprimante. C'est pour ça, pour que nous paraissions beaucoup plus professionnels, nous avons recommandé nos enveloppes ça, qui sont enveloppes blanches, 9x12 toujours. Mais côté nous avons remarqué qu'il n'y a pas de lock qui fer, qui est capable de déranger soit tout, imprimante ou un, ou bien passage côté que papier lui-même est capable de passer. Eh bien, si tu fais à l'autre côté de papier, on va toujours demander pour size enveloppe ça, qui c'est 9x12. Nous avons size enveloppe ça que tout le monde est habitué, qui c'est enveloppe 10 ou bien comme 10. Eh bien, son enveloppe tout qui est capable d'imprimer dans l'imprimante. N'importe côté que nous avons 20 papier, nous avons demandé pour soit enveloppe 10 ou comme 10 ou bien enveloppe 9x12. Eh bien, je dis, nous allons imprimer sous deux types d'enveloppes. 9x12 et enveloppe 10 ou comme 10. Nous avons deux imprimantes là, ou qu'à imprimer sous différentes machines. Nous avons un modèle C9000 qui là, et nous avons un modèle C70. Nous allons imprimer enveloppe 9x12, soit sur imprimante ça ou bien ça. Eh bien, je choisis imprimer sous C70. Eh bien, nous avons différentes cassettes côté que nous avons mis des papiers. Eh bien, généralement, nous recommandons l'enveloppe imprimée dans bypass tray. Côté que yon dernier tray, il y a imprimante c'est 5e ni ou bien 4e selon la quantité de cassettes que vous avez. Eh bien, nous allons mettre dans bypass. Et l'on mette enveloppe là, ou bien deux paramètres qui sont importants pour que l'impression soit arrivée faite. Ou bien un côté logiciel. Si nous regardons sous l'écran là, nous avons deux fichiers d'ouvrir. Eh bien, c'est l'impression que nous avons besoin de faire sur enveloppe 9x12 ans. Eh bien, si vous avez besoin de garder size document ça, nous parlons dans page layout, ou même qui est Microsoft Word ou qui la donne, ou à la size, immédiatement, je vérifie, je vois size moyen c'est 12x9, qui c'est format enveloppe. Moi j'ai l'autre document que m'va lancer sur enveloppe 10 encore c'est dans la page layout dans size n'a point que moi j'ai enveloppe 10 comme size. Et bien lorsque moi fin con size là et bien pas besoin paramétrer imprimante moyen même format même paramètre avec logiciel là pour que impression ça arrive fait correctement. Et bien dans cas pas nous pas paramétrer imprimante là pour nous dire mais quel type d'enveloppe que nous mettez. Mais qui size? Ok, moi mettez là. Par défaut, l'ité gagne, nous-mêmes nous ka toujours remplacer. Si nous cliquez là. Si vous même vous arrivez ou pas, jouez une machine ou gagne size 1, ou ka customize, côté que ou ka paramétrer manuellement. Ok, mon custom ni. Ok, je gagne 9, ensuite par 12. Moi dis ok. Type. Ou bien différents types, maintenant qu'on a annoncé enveloppe n'a pas imprimé, nous choisissons enveloppe. Qui couleur? Couleur blanche. Dans le cas où vous avez l'autre couleur enveloppe tout, vous avez choisi couleur là. Maintenant qu'on a annoncé enveloppe blanche, nous choisissons blanche. Aussitôt que moi finis par paramètre qui correspond exactement avec enveloppe, moi dis OK. Ça c'est pour imprimant. Quand on a passé à côté logiciel, côté que moi bien fichier moyen, quand on a prêt à lancer impression. Eh bien, lorsque je vais dans
document moi pral di prêt. Et bien pral di document nan mes paramètres. Mal nan print properties. Et bien moi di impression m'a fait hein, li nan bypass. OK. Bypass. Ensuite, je vais tisser enveloppe 12 par 9. OK. Pour question qualité, je vais dire photo mode pour que la qualité apparaisse exactement chaque que je veux. Je vais le retour verso, c'est un seul. OK. Aussitôt que je fais un paramètre, je vais tisser enveloppe en ligne 9, 12 par 9. Et moi dis c'est dans bypass tué la journée et qualité mes photo et bien moi dis OK et puis moi imprimé. Si on regarde les moyens fait erreur de imprimante, puisque l'imprimante qu'on a choisi, hein, ce n'est pas lui-même exactement. On a choisi le vrai modèle hein, qui c'est C7030. J'aime bien dire, on va dans Printer Properties. Moi, je dis que c'est dans Bypass tué que l'enveloppe moyen. Et size en lui-même, c'est 9 par 12. OK? Qualité, moi je voulais en mode photo pour que la qualité soit capable de sortir, normal. Et puis, one side. Aussitôt que je fais le paramètre, je dis OK, je vais lancer l'impression. Je OK. Si je prends là, l'impression censée arriver sur l'équipement, je attends, on va regarder. On commence à garder la qualité. OK, l'impression est sortie correctement. Nous allons déposer, nous allons garder. Ça c'est le premier qui est sorti, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Ça c'est 9 par 12, côté que nous sommes imprimés. Ou même qui t'a vu nos professionnels dans la présentation, dans les gens qui ont fait envoi de documents, eh bien, nous invitons à faire ça et nous sommes faire là. Côté que nous n'avons pas besoin d'écrire à la plume, nous sommes capables d'imprimer correctement. Là, exemple que nous sommes faire là, c'est sous 9 par 12. Eh bien, nous allons continuer, nous allons faire pour nous sous modèle que nous sommes dit nous, qui c'est enveloppe 10. OK, on va faire son modèle C9000, on va le mettre document dans bypass. Je m'étais dit, une fois que vous mettez enveloppe là, première étape là c'est paramétrer machine, c'est dit size enveloppe vous mettez qui type et qui couleur. Si n'a vienne vérifier là n'a pas que dans écran, moi j'ai enveloppe 10 ou bien comme 10 type enveloppe et couleur blanc. Lorsque je finis par paramètre ça, je dis OK. OK, j'en mettais sur le fait à l'heure, je vais imprimer. C'est 9000, modèle. Une de properties. C'est bypass tué. Enveloppe size.
nous dit enveloppe 10. Bypass tué. Aussitôt que moi fait, avant que moi lance impression, pas oublier moi te font erreur tout à l'heure, on va juste supprimer première impression que moi t'ai lancé pour que moi ca lancer. Il n'a tout ouais comment nous ca supprimer un job tout que nous pas besoin à partir de imprimante. OK, ça c'est erreur que moi t'ai fait tout à l'heure, moi t'ai permis tes machines yo. Quand on va lancer impression directement pour que nous capables de vérifier. On regarde ensemble. Bypass tué. Enveloppe 10. Moi dit qualité photo mode pour que qualité nous capable de répondre. Et option ça lui-même lui permet de choisir dans quelle hauteur vous voulez impression dans les sorties. Moi dans le cas nous dit center top tué. Nous dit OK. Et puis moi dit print. Ensemble, on a vérifié comment que l'imprimante dans lui-même l'a pris à l'enveloppe là et comment il a sorti. Si on a regardé là, on a regardé l'enveloppe que la machine a pris à l'air et côté que il y a bonne sorti. Ok, les sortions, si nous voulons, nous allons toujours imprimer les sacs pour nous capables de beauté machine là. OK. Ta réalité sur une seule enveloppe, n'a dit n'a imprimé toute net. Si nous regardons ensemble, impression est sorti correctement. On va le mettre disposé. Ou même quand vous regardez la vidéo, ça, qui ça que nous allons faire? C'est aller dans la section commentaire, dis-nous ce que vous pensez de l'impression sur l'enveloppe. Yo. Comment nous aide, comment nous même nous voyons que les cas servent nous. Et si nous aimons la vidéo, balayons un like. Et comme des guides, nous montrons comme surprise, nous avons des machines qui viennent des. Cassette, côté que c'est enveloppe uniquement que vous prenez. Dans le cas où même imprimante n'a pas gain cassette ou bien tué qui pour prendre enveloppe, eh bien nous recommandons bypass. Maintenant, car machine ça, sous besoin de qualité, il fait partie de GC, équipe machine graphique communication, ou même qui besoin de qualité, eh bien passez ou dans Delma 21, ou avez des experts côté que y a fait des choix et que vous capable de prendre. Ou plus professionnel et entreprise plus productif. Nous disons merci parce que vous avez accordé notre temps pour regarder la vidéo.